Et yop tout le monde, c'est Deltadrac, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Dying Light. J'ai fait tout ce qui était petite quête secondaire là pour courir. Là on va aller faire la quête histoire pour avancer, ça c'est une quête DLC. Et ça c'est une quête que dès que vous en finissez une, bon bah il y en a une qui se reprend. Donc je ne vais pas la faire puisque bah, là il faut quand même tuer 10 Malabar. Autant dire que ça va être long. Je vais juste récupérer ça pour avoir de quoi vendre quelque chose. Faut juste que je parle à lui. Bon j'ai un peu Je crois charbonné pour pas. faire les 2-3 quêtes. Impossible, putain! Comment t'as fait? T'as triché? Non, je suis juste plus rapide. Fini, Sadio, monsieur Éclair. C'est pas fini. Je vais m'entraîner. Tu devrais aussi, d'ailleurs. On se reverra près du château d'eau, abruti. Ouais, alors. Du coup, nous allons faire la quête histoire, voilà. Mais avant, j'ai un point de compétence à mettre. Alors, soit on prend le saut d'atterrissage. Soit je prends les trucs de parcours comme ça. Non, pas vite. La vitesse quand je me faufile, je m'en fous. Courir à travers un groupe, je m'en fous. Foncer dans les obstacles des ennemis sans vous arrêter. Ouais. Sauter sur vos ennemis en fonçant sprintant. Peut être sympa. Appuyez sur pour faire un 180, non. Et ça c'est quoi? Courir le long des surfaces verticales. Ah non, ça ce sera un vraiment pratique à choper. On va prendre ça. Hop. Alors, ma quête histoire. Elle est à 300 mètres là-bas. Ok. Alors, on est parti. Aujourd'hui, c'est quête principale avec Aikon. Oh, les cordyceps. J'ai oublié de les récupérer tout à l'heure, ça. Parce que j'ai un peu farmé, voilà, avant de faire la vidéo. Je me dis que bon, vous infligez tout le temps le farming des quêtes secondaires. Voilà, c'est drôle de minutes, mais. Je pensais qu'on respecterait davantage. Ok. Hop. Alors. Là-bas. Ouh. Je sais pas pourquoi une musique qui vient de s'activer. Hein. Me demandez pas pourquoi, j'ai aucune idée. Alors. Hop. Hop. Ok, bon, on peut plus passer chez les pacificateurs, ils ont l'air pas très très contents. Oh merde. On va attendre 2 secondes que ce petit nuage il se barre. Quand tu veux, frérot, j'ai pas tout ton temps. Comment on récupère? On a ça. Bon, alors on n'a pas. Voilà, je vais pas perdre tout mon temps. Hein. Ouais, si tu veux. Hop. Alors. Hop. On va essayer de rejoindre les connes. Il est à 50 mètres. Quand tu veux. Hop. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut? Ah, j'ai vu. Il y a une plateforme ici. Ouch. Ok. Hop. Aikon. C'est parti. Aikon. Ah, te voilà enfin. En route. Quand Janna a appris que tu venais, elle a pris Sarah et s'est tirée. On dirait qu'elle tombe pas trop à la bonne. Où est-ce qu'on est? Mouche. Du calme, laisse-moi voir. Laisse-moi regarder ça. Merde. Attends. Montre-moi, je vais t'aider. Tu vas t'en tirer, détends-toi. C'est quoi ça? La blessure du Lazare? Alors c'est toi qui as tué Lucas.
Sans ce poids américain, il aura fallu que quelques secondes pour finir le boulot. Ah, même s'il était plus fort. Ah, qu'est-ce que tu racontes, putain? Je vais pas dire le contraire. Alors t'as découpé ce tatouage et tu l'as collé sur Barnett? Waltz, c'est lui qui a donné l'ordre. Tu bosses avec Waltz et tu m'as rien dit? Espèce de sac à merde. Non, t'as pas bien pigé. Waltz m'aurait tué comme il a tué Dylan. Et tous ceux qui le contredisent, il fallait que je me barre d'ici. Je pouvais pas te le dire. Pourquoi? Tu sais que c'est lui qui m'a torturé dans le passé. C'est pour te protéger que je te l'ai pas dit. Et si tu découvrais quelque chose à propos de ta sœur, Waltz va te tuer. Où est-ce qu'il est? Ah, merde. Où est Waltz? Je suis censé le retrouver sur l'usine de voiture, dans le tunnel du GRE. Je suis mort ici, tu me piches, putain. Ils vont me buter. Tu me laisses? Tu me laisses maintenant? Vas-y, on va aider. Je devrais t'abandonner après ce que t'as fait. Et pourquoi pas? Je vais d'abord retrouver ce Snake. Vraiment, tu ferais ça pour moi? Une vie pour une vie. Après ça, je veux plus te revoir. Et par contre, si je peux le balancer au chef de des pacificateurs, la vie de ma mère que je le fais. Ok. Où est ce sniper? Tu vois cet enfoiré de sniper? Non, j'ai rien. Serre-toi de tes jumelles! La ferme! J'en ai marre de tes conseils de grand sage. Ah bah, il est plus... Je sais, j'ai déconné. Et on en reste là. Comment on utilise les lunettes déjà? Les jumelles? Non. Non plus. Toujours pas. Ah, si. Les vis vont voler dans tous les sens. Trouve un coin où te mettre à l'abri. Dis-moi un truc que je sais pas déjà, Con. Ok, non, c'est pas là, c'est là. R3. Est-ce que je peux checker ici? Si on n'est pas con. Mais... Par pitié. Poursuivez le tireur d'élite. Mais descendre là. Ok. Fais gaffe aux déchets chimiques. Je suis pas aveugle, la conne. Ouais, je vais bien. Il est futé, l'enfoiré. Tirez dans les réservoirs. Ouais, c'est ce qu'il fait, ce bâtard. Wesh. Ok. Je peux pas rentrer par là. Non, non, lâche. Lâche. Abruti. Ok, si je reste trop à découvert, il va me buter. Dors toi. Alors, attendez, parce que je vois que j'en ai plus beaucoup. Désolé, vous aurez un montage un petit peu bizarre. J'ai dû ramener mon padré à l'hôpital, petite infection du pied et tout, donc j'ai dû couper un peu court à l'épisode. Il avait besoin de soins, on va dire. Donc, on est reparti pour encore 20 minutes de gameplay. J'en étais où? J'en étais là. Je devais faire des fabrications de plans, voilà. Parce que sinon, j'allais plus en avoir assez. Hop. Voilà. 45, je pense qu'on est large. Alors. D'accord, waouh. Ok. Je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, pas d'appel à l'aide.
Faire le tour hein. Mais quoi mais on va faire le tour. Wow. Fais gaffe aux déchets chimiques. Je suis pas aveugle la conne. Je suis pas aveugle, je suis mort il y a 2 minutes à cause de ça, mais... Pourquoi pas. Abusez pas, on peut circuler ou... Ok. Alors visiblement je peux rentrer par là. Est-ce que je peux monter là-dessus? Oui. Allez, en avant. L'objectif il est droit devant. Merde, hop, c'est bon. Ouh, j'ai cru que j'allais tomber. Je vais lui niquer sa mère à lui. Ah, il y a des choses à l'intérieur. Ok. Pourquoi je le sens pas cette cage? Je le sens pas du tout là. Ok. Ok. Il est où ce petit bâtard? Bien de mieux choisir tes amis. Pourquoi t'en as appris à Con? Un rapport avec la mort de Lucas? Dis à Con que c'est pas encore terminé. Attends. Rapide son parachute. Un coup dans les couilles, ça fait mal, frérot, hein, je le sais. Ça va aller. À Con, t'es toujours en vie? Le compteur tourne toujours. Akon, elle s'est enfuie. Mais tu crains rien, pour le moment. Elle? C'était une femme? Eh merde. Ouais, et je crois qu'elle t'aime pas. Ça avait l'air perso. Perso, hein? Ça aide pas des masses en général. Mais je sais qui c'est. Méfie-toi bien d'elle. C'est l'une des personnes les plus dangereuses que tu croiseras dans ta vie. C'est noté. Maintenant, je vais à la boucle centrale. Méfie-toi de Waltz. Des renégats sont apparus partout dans le centre, et ils travaillent avec eux. Ils recherchent la clé que tu as. J'en ai marre d'écouter tes conseils. Sophie, je vais avoir besoin de ton aide pour rejoindre le centre. Le gars qui était censé m'emmener là-bas... Les choses se sont compliquées. Les hommes d'Hector continuent à se battre. Ils se sont barricadés dans le tunnel. Je peux rien faire. Et notre accord? Détends-toi. Écoute. Il y a un autre moyen. Un vieux tunnel sous les collines près du Tango Motel. Il était utilisé par les contrebandiers. Les pacificateurs ne le connaissaient même pas. Il est fermé depuis des années. Mais si tu arrives à démarrer les générateurs, tu pourras peut-être atteindre le centre. Et tu me dis ça que maintenant? Je suis désolée. Je veux t'aider. Mais je vais aider le bazar avant tout. Bonne chance, pèlerin. Alors, par où je peux rentrer? Là? Non. Hmm.
récepteur d'inhibiteur. Ouch. Ah, où j'ai pu rentrer? Ok, bon. Oula, il y a le malabar qui m'a vu. Ah. Bah merde, mais on rentre par où dans cet endroit? Mais moi je veux savoir. Par pitié, laissez-moi rentrer, il y a du loot de partout. Je le vois bien. Je cherche. Ça c'est pour monter, ouais. Et là j'ai déjà fait tout le tour. Hop là. Attendez, j'ai un problème dans mon inventaire. Démonté. J'ai ça qui est niveau 2, qu'il faut que j'éclate. C'est quoi ça? Combien? 46 de dégâts? Ouais. Alors toi par contre, ouais, s'il te plaît, respecte-moi. Ouais, wow, respectez-moi s'il vous plaît, merci. Merci. Par pitié. Un peu de respect, merci. Alors. Faut que je prenne... J'ai dit que c'était celle-là. Alors... Je crois même pas où je peux rentrer. Voilà, non? Je peux pas rentrer par là. Et il n'y a pas spécialement d'entrée. Hein. C'est juste une putain de quête. Bon, on va essayer de monter à l'échelle. Hop. Bizarre. Ah ah. Je pense que j'ai compris. J'ai comprendu. Il y a l'air d'avoir un truc là-bas. J'ai pas compris c'était qui la meuf. Ça me dit quelque chose mais j'arrive plus à voir. Alors, ouf, eh, on peut la choper l'échelle là. Voilà. Un petit effort, Econ, s'il te plaît. Ah si, c'est ce que je voulais faire. Ah non, il est là le truc, boîtier de fusible de merde. C'est ça, hein? Non? C'est pas lui? Non, sérieux?
On va viser les sacs en bas. Alors juste avant, j'aimerais faire un truc. Non, pas fabrication, inventaire. Ah non, c'est des lames que j'ai. Ok. Alors, vous voyez le tas de sacs poubelles? On va atterrir dessus. Et pris pour pas mourir. Ok, tout va bien, je vais bien. Je peux pas passer par là, super. Non, 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 meurs pas, meurs pas, meurs pas, voilà. Allez, en avant, on va avancer un petit peu. Où y'a un Brutus là? Yo. Oh, on s'en fout un peu. Et comment je sors de cette zone sans mourir? Sérieux? C'est un truc de ouf. Vas-y hein. Cours à travers ça, voilà. Hop. Alors, l'objectif il est à 280 mètres. Ici il y a un petit peu d'ennemis. Bon, les déchets radioactifs là, sur le côté, c'est pas mal hein. Allez, en avant. Oh, c'est 200 mètres les plus longs de ma vie. Ah ouais, d'accord. On va se faire des petits allers-retours, hop hop hop, tada. Faut que je monte. De préférence par le côté si j'y arrive. Je sais pas trop si c'était normal de passer par là. Moi je passe ici. Alors est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Ok. Et par là? Ah mais moi je fouille tout hein, les gars. Vous savez ce genre de jeu hein. Même pas ce que je me prends. Je sais même pas trop. Ouais, attendez. Merde. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Bon écoutez, vous aurez un plus petit épisode, mais j'essaierai d'en faire un plus long tout à l'heure. Enfin, pour la suite, pour demain. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et nous on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce, ciao.